Et hey, bonjour à tous les aliens, mon nom est Spike. J'espère que tous les petits aliens de ma chaîne YouTube se portent très très bien. Ce soir on va parler les gars, ça va super bien. Comme d'habitude, super content qu'aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo de news et de leaks sur Fortnite. Et vous savez très bien qu'on a toujours des informations super super intéressantes qu'on a trouvées dans les fichiers de jeu. Donc voilà, on va directement commencer avec toutes ces informations super super intéressantes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si celle-ci vous plaise. Et nous on va y aller directement maintenant. Alors maintenant on va directement commencer avec une information qui va faire plaisir à beaucoup beaucoup de petits aliens, j'en suis sûr. C'est tout simplement l'arrivée bientôt d'un skin de Battle Breaker qui était censé arriver depuis longtemps que je vous affiche ici. Voilà, un skin vraiment très 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 stylé sur Twitter. Franchement, il y a vraiment plein de gens qui ont vraiment beaucoup beaucoup la hype par rapport à ce skin parce qu'il est vraiment vraiment très très beau. Moi en tout cas je l'aime bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, il va bientôt arriver et franchement je me réjouis. Ensuite, toutes petites informations juste pour vous dire qu'il reste seulement 10 jours à la saison 1 du chapitre 2. Donc franchement, vraiment, je me réjouis énormément d'avoir le nouveau Battle Pass avec tous les nouveaux skins, etc. qui vont arriver. Franchement, c'est vraiment grosse hype parce que voilà, cette saison, elle commence vraiment à durer beaucoup. Et je pense que c'est un petit peu le même sentiment chez tout le monde. Et voilà, je me réjouis énormément que tout ça passe. Donc maintenant, juste toutes petites informations pour vous dire qu'il y a simplement un glitch qui a été patché. Voilà, je vous affiche ici une petite vidéo qui montre le glitch et qui montre qu'en fait on pouvait passer à travers certains murs qu'on avait construits. Et en fait ça a été patché il y a pas longtemps, du coup franchement si ça embêtait quelques joueurs etc en game, eh bien voilà, ici c'est patché. Franchement c'est très très bonne nouvelle parce que voilà, les petits glitchs comme ça, ça fait toujours un petit peu pourrir les games. Alors maintenant, une toute petite information pour tous les petits aliens qui aiment bien jouer en compétition à Fortnite. C'est simplement l'arrivée du tournoi de recherche et destruction qui est vraiment très très bien. En fait, il y a déjà un échauffement qui est tout simplement prévu pour ce tournoi. Et en fait, bientôt, il y aura le vrai tournoi qui va arriver. Donc franchement, grosse hype pour tous les petits aliens qui jouent en compétition. Franchement, n'hésitez pas à tenter votre chance. Donc maintenant je vous affiche un petit tableau de tous les petits items qui vont bientôt arriver sur Fortnite, qui ont été trouvés dans les fichiers de jeu pour cette mise à jour. Du coup franchement vraiment très hype. Vous pouvez voir qu'il y en a vraiment qui sont vraiment pas mal. Du coup franchement je me réjouis énormément de voir ça. Mais en tout cas je reste connecté sur Fortnite pour un petit peu voir tout ce qui va arriver dans la boutique. Alors maintenant je vous affiche encore un espèce de petit tableau de tous les petits items etc, les petites armes qui sont arrivées en gameplay pendant cette saison et qui sont aussi été patchées. Du coup franchement voilà, je vous les montre ici. Vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal d'armes etc qui ont circulé sur Fortnite pendant cette saison 1 du chapitre 2. Et voilà, je me réjouis énormément de nouveau de voir un petit peu les armes etc de la saison 2 du chapitre 2. En tout cas voilà, on va attendre 10 jours pour voir ça. Alors maintenant on va terminer la vidéo, je vais simplement à vous présenter un petit skin qui a été introduit par Fortnite aujourd'hui dans la boutique. Il s'agit tout simplement d'un nouveau skin de la Saint-Valentin, voilà, qui est vraiment assez stylé. Vous pouvez voir aussi le petit fond d'écran Saint-Valentin etc qui fait vraiment assez plaisir. Voilà, on peut voir que c'est un petit peu dans l'ambiance etc. En tout cas n'hésitez vraiment pas à vous les procurer si jamais vous avez envie parce qu'ils sont là pour une durée limitée. Donc voilà les petits aliens, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous a plu, j'espère que ce petit leak du chapitre 2 vous ont mis la hype pour la suite parce que moi je me réjouis énormément de voir un petit peu tous ces petits leaks arriver en gameplay dans le jeu. En tout cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si c'est le cas pour vous aussi. Et n'hésitez pas aussi, le plus important bien évidemment, à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que vous savez très bien que les informations de leaks et de news se trouvent sur ma chaîne YouTube. Du coup si vous voulez toujours rester 100% informé de la situation sur Fortnite, la meilleure chose que vous avez à faire c'est vous abonner et jamais vous ne louperez aucune information. Du coup les gars, c'était Spixy, je vous dis à la prochaine pour plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. À la prochaine les aliens.